Une belle poule pondit un œuf, alors qu'il y avait un grain. La volaille, ce n'est pas très neuf, aime à fréquenter les marins. Se nourrissant de l'air du temps, la demoiselle sur ses ergots voulut rejoindre dans l'instant un perroquet perché là-haut. Son œuf resta sur la coque, car c'est alors à tire-d'aile qu'elle rejoignit ce bel Haddock, capitaine de caravelle. Lorsque 3 minutes plus tard la terre leur apparut enfin, le bateau sortait du brouillard et d'une traversée sans fin. Si pour rejoindre la terre, certains troussèrent les culottes, la poule fit des manières, car elle n'aimait pas la flotte. Alors, sans faire d'omelette, l'équipage cria victoire pour une petite mouillette qui fit son entrée dans l'histoire. C'est à Sieur Christophe Colomb qu'échurent ici les honneurs. L'œuf tout autant que le renom, le pain, mais aussi le beurre. La pondeuse, le bec dans l'eau, trouva la coquille vide. C'est l'un des gentils matelots qui se révéla avide. Lors de cette fatale escale, la pauvre poule manqua de peau. Elle acheva sa balade en un fort modeste fricot. Si la renommée, c'est certain, se passe toujours de vérité, c'est que ce désolant festin resta à jamais oublié.